On va vous parler des correspondances qui nous ont marquées entre ce tableau, L'air du soir, de Henri Edmond Cross, et la mélodie Hébé d'Ernest Chausson. Hébé, c'est une mélodie qui parle de la déesse grecque de la jeunesse qui verse le vin de l'immortalité aux dieux, mais que nous, en tant que mortels, nous sommes juste obligés de regarder passer. Et ce qui nous a beaucoup parlé au début, c'est un aspect qu'ils ont en commun, d'être un peu en dehors du temps. Chez Cross, ce sont les couleurs chaudes, c'est la lumière très douce qui justement fait cet effet un peu irréel, un peu suspendu, mais qui est réalisé en fait avec des techniques pointillistes qui étaient ultra modernes à l'époque. Et ce dialogue entre l'antique et le moderne, on va le retrouver justement un peu partout. Par exemple, chez Chausson, la mélodie Hébé est sous-titrée chanson grecque dans le mode phrygien. Cette modalité fait appel à la musique ancienne, voire antique, et aurait créé un effet très inédit et marquant dans la musique de salon de cette époque. Aussi, chez Cross, le pointillisme nous a rappelé les carreaux des mosaïques grecques et romaines. Ce qu'on a trouvé émouvant chez tous les deux, chez le peintre et le compositeur, c'est un désir qu'ils ont aussi en commun de représenter, de trouver quelque chose d'éphémère. Et que ça soit une lumière, que ça soit la jeunesse même, ils essayent de représenter quelque chose, même s'ils savent que c'est transitoire. Oh.